Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Halo Culture pour en apprendre toujours plus sur Halo. Aujourd'hui, je vous propose de nous attaquer à l'Augure. L'Augure est un nouveau personnage apparu dans Halo Infinite. L'Augure est aussi la seule représentante que nous connaissons de l'espèce des Xalanines, aussi nommée par les Forerunners les Éternels. Jusqu'alors enfermée au sein de l'installation Zeta par les Forerunners, l'Augure fut réveillée par les Parias. Son seul souhait au sein de la campagne de Halo Infinite est de libérer ses semblables, eux aussi prisonniers de l'anneau. L'espèce des Xalanines n'a pour le moment pas été développée au sein de l'univers de Halo. Nous connaissons très peu de choses sur cette espèce qui devra très certainement jouer un rôle prédominant dans la suite de l'univers de Halo. L'Augure, comme ses semblables, ont été enfermés dans des Kilix, qui sont des genres de conteneurs de stase qui ont été utilisés par les biotechniciens Forerunner afin de stocker, de préserver et parfois retenir prisonniers des spécimens biologiques vivants. Étant d'une technologie Forerunner, il semblerait que seul un être partageant leur génome pourrait ouvrir les Kilix. Pour cette raison, les Parias ont dû faire des prisonniers humains pour ouvrir le Kilix de l'Augure. Après son réveil, l'Augure et les Parias, malgré une réticence de Esharoum, s'allièrent dans un but commun, celui de libérer les autres Xalanines. Pour arriver à leur objectif, l'Augure a mis à disposition des Parias les fameux criquets que nous affronterons durant la campagne de Halo Infinite. Ensemble, ils tentèrent de pénétrer à l'intérieur du conservatoire. À l'intérieur de ce même conservatoire, l'IA de l'installation Despondent Empire fut capturée par l'Augure et démantelée pour s'emparer de son encéphale. Encéphale qui permettrait à l'Augure de prendre le contrôle du réseau de spires de reformation du Halo afin de réparer le Halo et l'Auditorium silencieux. L'Augure rencontrera peu de temps après le Spartan 117 et le reconnut comme un dépositaire, un être étant doté d'un gêné blanc qui l'identifiait comme un successeur des Forerunners. L'arme se retrouva à plusieurs reprises elle aussi en contact avec l'Augure, laissant paraître qu'une autre IA serait elle aussi dans le réseau et aiderait le Major dans sa lutte. L'une de ces altercations permit à l'arme de récupérer l'encéphale à l'Augure qui permettrait de libérer les autres Xalanines. L'Augure fut finalement mis hors d'état de nuire au sein même de l'Auditorium silencieux par le Major, ne permettant pas à l'Augure de terminer le travail qu'elle avait commencé. L'Augure est ainsi morte en gardant avec elle bon nombre de secrets, à la fois sur son rôle et sur son espèce. Pour autant, avant sa mort, elle aurait parvenu à localiser les Kilix des Xalanines sur l'installation 07 et proclamer leur retour prochain. Tout porte à croire que l'Augure n'est donc que le premier Xalanine que nous rencontrerons dans l'univers de Halo et que nous ferons la connaissance d'autres créatures comme elle. L'Augure marque non seulement Halo Infinite en étant la seule représentante des Xalanines connues, mais marque également Halo Infinite en étant le dernier boss à affronter dans le jeu. J'espère que ce Halo Culture vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très bientôt pour parler d'autres choses. N'hésitez pas à demander les sujets qui vous intéressent. On se retrouve très bientôt. Salut à tous, vive Halo !